Salut tout le monde! Alors, on est en pleine réflexion pour ce truc d'Asmatia, une recherche de fonds, crowdfunding, tu vois comment? Et puis, du coup, grâce à vous, bah, on va pouvoir sortir une BD. Alors, je rappelle pour tous ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est du 16 mai au 6 juin, il y a une recherche de fonds pour la prochaine BD. Mais dans ce cadre-là, je me suis dit, ben écoutez, je vais vous présenter un peu l'équipe qui travaille avec moi. Je ne suis pas tout seul, on est 8 ici, 8! Et on va tirer au sort pour savoir quelle sera cette personne. Oh, ici dedans, on sent le nom de toute l'équipe. Et là, ça sera... Oh, ça sera Silas. Schnecki. Hey. Alors, je vous présente Silas. Et Silas, c'est pas n'importe qui, parce que c'est mon fils. En fait, moi, je suis là, c'est surtout pour aider, et puis c'est cool parce qu'on passe des bons moments tous ensemble. Tu fais plus qu'aider, fils. Franchement, je peux t'apprendre des trucs et que j'ai appris avec des années. Puis c'est vrai que tu as amené beaucoup aussi. Ouais, bah par exemple, quand je suis arrivé, j'ai remarqué qu'il y avait un peu un manque de communication dans l'atelier. Alors j'ai proposé qu'on instaure un colloque une fois par semaine pour pouvoir communiquer. Sinon, je fais aussi un peu de ménage et puis de la musique pour toutes les vidéos qu'on sort. À part ça, tes musiques, elles sont vraiment, je trouve, exceptionnelles. Franchement, c'est très bon beau ce que tu fais. Ça me met mal à l'aise ce que tu dis. Sinon, bah voilà, je fais aussi des commandes. Ouais. Je prépare les commandes de temps en temps s'il y a besoin. Et puis, surtout pour la BD Asmatia 2, en ce moment, je travaille sur les bulles. Ce qui prend pas mal de temps, mais c'est cool. Parce qu'en fait, les bulles, on aurait pu faire avec l'ordinateur un truc tout basique comme font pas mal de traducteurs américains. Mais moi, je trouve que les textes écrits, c'est une œuvre qui fait partie du dessin. Donc, il faut que ça soit aussi une œuvre de faire à la main. Quoi. Mon truc à moi, c'est surtout la musique. À côté du travail, j'en fais beaucoup. Mais n'empêche que j'aime beaucoup travailler à l'atelier. Ça fait depuis que je suis tout petit que je vais voir mon père dessiner dans son atelier. Puis, du coup, je trouve ça marrant de travailler avec lui aujourd'hui. Puis je regardais l'autre coup, j'ai relu les BD, ce que j'avais pas fait depuis un moment. Puis je me suis rendu compte qu'elles étaient vraiment bien. Puis du coup, je suis hyper heureux de pouvoir participer à ça. Donc c'est avec plaisir que je bois un café avec vous ici, soyez les bienvenus, c'est moi qui vous le sers avec du sucre, de la crème et des épices orientales. Bon, dans un café c'est un peu bizarre. À plus.